So, you killed Morello. That must have felt good, huh? We celebrated. Salieri was thrilled, of course. We ran the whole town, practically, and there seemed to be an end to the bloodshed. For a while, I felt like a king, until I came to a realization. If a regular guy like me could kill the most powerful man in the city, what good was all his power? Hell, if he hadn't been so powerful, he'd probably still be alive. It seemed to me that no matter how strong someone was, there was always somebody stronger to take them out. So where did that intuitive thought take you? Greediness is bullshit. When you have no money, you think that a few bucks a month will be enough. Then you realize that it wouldn't be bad to have a nice car. You get a great job in some high-up position, but in actuality, you're thinking about going higher. Before you know it, you want to be the President of the United States, and you want to win the war against the Germans. Luckily, that won't happen. Plus, the whole strategy of watching other people's backs has one basic flaw. The whole time you have to watch your own back in case someone else has the same idea. So I thought to myself that maybe I ought to change my priorities a little. Great Bible story. Laugh it up. You know where it got me in the end. This. Who is it? It's from 1920. The old man is Don Pepone. The two younger ones are Salieri and Morello. This photo convinced me that this kind of life is poisonous. Morello and Salieri were friends, and they were both commanders of Pepone's regime. But in the 1920s, they got Don Pepone killed because of some deal. Strangely enough, Salieri still admires the guy now. Afterward, they divided up the city, and each ruled their own part of it. But they started to compete with each other. I ended up being Salieri's instrument of death to kill his best friend, to save him from looking Morello in the eye. It occurred to me that my friends and the people I loved were the same. Someday I'd turn to Paulie and be looking straight down the barrel of a gun. I couldn't be sure of anybody, above or below me. But you were risking your life every day. Being a sharpshooter for the Mafia ain't no bed of roses the way you tell it. It's different when you're living it. When you're full of energy and you're fighting for your life with someone who's like your brother. You're just two soldiers who know what needs to be done. And it all depends on your ability to survive. It's a war. The constant feeling that you can't even trust your best friend is terrible. You are alone, and death can come from anywhere. I'd lie awake at night wondering if the joke my best friend told me was really just a joke, or if I should get prepared for my own execution. A person needs someone he can trust. That guy sickens me. He controls half of the brothels in the city, doesn't pay us a dime, and then has the nerve to say he's ending crime in the city. Of course, I wouldn't give a damn about what he says, but him and his whores are trying to expand even into our territory. I have a feeling it's time to finish his political career. With the election such a long way off, we'll have to remove him physically. I don't know, boss. Haven't we seen enough violence for a while? I just have a strange feeling about this. Tommy, we're on the verge of running this town. He's the only thing that's standing in our way. You want him knocked off in public like Morello? In public, yeah. But not like Morello. Remember that knocking off a politician is messier than offing a gangster. We don't want anyone to implicate us. The speculation and fear will be enough for our purposes. So, how are we gonna do it? Mr. Seward has a rally today in a park on a little isle off Central Island. There's only one escape route over a small bridge, and normally it would be a problem, but Vincenzo has an idea. He took a regular army rifle and put a telescopic sight on it, so you should be able to hit him from a much greater distance. You won't even have to be on the island. Where then? You can get a beautiful view of him from Central Island, from the tower of the old abandoned prison on the north tip of the island. You'll have the whole park right in front of you. And with that rifle, it won't be difficult to take out your target without attracting too much attention.
Yeah, that doesn't sound like a bad plan. Good. Talk to Vincenzo and get the rifle. Okay, boss. And remember, Tommy, you have to do it from a distance, and nobody must see you. You'll probably only get one shot at this. If you don't hit him immediately, they'll cover him and the job will be ruined. I got it, boss. Very thanks, Mr. Salieri. Après le nombre de blabla que je dois traduire, holy fuck. Salut, guys, bienvenue à Mafia. Ça fait 5 minutes que j'ai pas parlé, by the way. Je veux dire, y'a ben de l'histoire, sure. I got my cold detective special. Pas assez pour tuer un politicien, apparemment. Hein, il faut qu'on aille chercher un rifle. Yo, what's up, Vincenzo? Hey. You got some heavy-duty gear for me, Vincenzo? You need to pick this guy off at a distance, right? So I dug out the best weapon for you. The military trains by mounting a sight on this standard rifle, similar to a hunting rifle. I got hold of a Mosin Nagant rifle. It's produced here, but the Russians upgraded it to a marksman's rifle. It's a good, precise weapon. It looks interesting. Well, I hope it works. Well, Tom, take a decent handgun, too. You never know who you might bump into. Ain't that the truth. Thanks. Yeah, give me all this, man. Qu'est-ce que le jeu ne vous dit pas? Il faut que j'aille dedans mes options. Il faut que j'aille dedans mes contrôles. Parce que je ne le sais pas pourquoi. À toutes les esties de fois que vous ouvrez le jeu, le sniper mode est toujours disabled. Action button, fuck, je voulais le mettre sur une key là, mais whatever. On va, tu sais, c'est vraiment juste temporaire. Tu sais, je vais l'utiliser sur une clé que j'utilise même pas, tu sais, M. Et voilà. Parce que ça sert juste pour cette mission là, that's it, that's all. Puis aussi, si vous jouez au Free Road, qui est personnellement vraiment à chier. Hey, j'ai un sniper! Regardez les nice graphics! Non, mais pour vrai, en 2002, ça c'était crissement fucking sexy. I telling you, man. Hey Rolf, t'as-tu un... Yeah, t'as un char, mate. Regarde mon sniper, ain't that good? Bro, parle-moi. Hey, Tom, I have this for you. It's a sensible, spacious and solid car. Show me Ralphie, please. Show me the goods. I think you'll like it. Yeah, you can get into it real easy. Thanks, Ralphie. Thanks, mate. Much appreciated. Whoops, pas ça que je voulais faire. Whoa, where the fuck you going, Ralphie? Where the fuck you going? Ok, let's go, on commence la mission pour vrai. Oui, c'est vrai, il faut que j'unlock des chars dans ce jeu-là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Mafia. Sincèrement, je vais être totalement honnête aussi avec vous. Il reste pas beaucoup d'épisodes à Mafia. Je vais vous le dire, il reste 4 missions. Puis je pensais faire un épisode pour chaque mission. Election Campaign, c'est pas une mission que j'aime ben. Ben, je veux dire, elle est pas poche, mais pas le fun non plus. Elle est vraiment ordinaire. Je veux dire, c'est une mission ben ordinaire. C'est une mission que, sincèrement, je veux dire, dans l'histoire, je vais même être honnête avec vous, dans l'histoire de Mafia, là, vous pourriez skipper cette mission-là, puis ça changerait absolument rien. Ça n'apporte absolument rien à l'histoire. À part pour peut-être dire, genre, pour montrer la puissance de Salieri, sure, I guess. Si c'est ça le but, alright. Mais overall, pour l'histoire, tu sais, je veux dire, on a déjà tué Morello, là. Qu'est-ce que tu veux bien de plus? Si on va tuer un policier qui contrôle la moitié de la ville, puis genre, Salieri le déteste, fait qu'il faut qu'on le tue. Alright, sure I guess. Fait que, je suppose, comme je vous dis, ça montre la puissance de Salieri. Anyway, la place est juste à côté, fait que, m'a pas skippé grand chose. Mais après cette mission-là, il reste 3 missions. Puis les 3 dernières missions, holy fuck, c'est probablement les missions les plus importantes du jeu. Pour comprendre absolument tout de l'histoire. Et voilà, on est rendu à la... à la gel. Maintenant, maintenant vu que ça fait longtemps, je me souviens plus non plus comment
faire en sorte que mes guns soient dans mes poches. Attendez une minute, il faut que je retrouve le bouton. Alright, j'allais trouver. Ok. À chaque fois que je recommence à jouer à Mafia, si je me mélange tout le temps une couple de fois dans mes boutons, là. Alright, tu viens toi, Gab, c'est Q ici. Hey yo, what's up, man? J'ai besoin d'aller là, moi. Est-ce que tu me laisserais passer? Dire. Bro, what the fuck did you just say to me, man? Oh fuck, je peux pas accéder à la prison par là? Ok, il m'a passé par là, fuck you. Ouais, je suis sûr, man. Don't mind me. Ciao, ben, le dude s'en calisse, man. Il me regarde, il est comme, bon, ben, that's that. M'en revenir à ce dude-là un petit peu plus tard, mais... souvenez-vous que le dude qui est... Bro! Ouais, man, je suis sourd! Il s'en calisse. Mais souvenez-vous de ce dude-là parce que je vais en reparler de ce dude-là un petit peu plus tard dans la vidéo. Assassinate the politician from the tower. Yeah, yeah, yeah. I need to assassinate somebody. Somebody to love. Wow, qu'est-ce qui s'est passé pendant un frame de temps? Je vais remettre l'image, sure, mais what the fuck is this? Ok, let's go. Maintenant, c'est l'heure de progresser, I guess. Cette mission-là, c'est... sincèrement, elle est rough. J'ai des petits guns, sure. La raison pourquoi cette mission-là est rough, je vais vous montrer si je peux. Je me souviens plus c'est quoi le bouton. C'est pas celui-là. Alright, ok, j'ai trouvé le bouton, c'est I. Le sniper, parce que dans le fond, dans ce jeu-là, vous avez un système d'inventaire, mais le sniper prend fucking beaucoup d'inventory slot. L'inventory slot est genre invisible, mais le sniper est un crisse de gros weapon, ça veut dire que je ne peux pas vraiment avoir de weapon avec moi. À cause que j'ai un sniper que je suis obligé de carry avec moi pendant tout le long de la mission, je peux pas avoir de shotgun, je peux pas avoir de Tommy gun, parce que sinon j'ai juste trop de place wasted dans mon inventaire. C'est pour ça que cette mission-là est dure, fait que c'est pour ça que j'ai beaucoup de petits guns merdiques. Alors, c'est le fun d'avoir des shotguns puis des Tommy guns, sure. Je pense que dans cette mission-là, il n'y a pas de Tommy gun anyway. What is this? What? Who's doing drugs with the cat now? Bro, qu'est-ce qui se passe, man? J'entends le monde fucking tousser comme le tabarnak. Yo, avez-vous le coronavirus ici? Moi, m'en va, man. Je vais être aussi honnête, c'est probablement la mission que je ne me souviens le moins du layout de la map, genre. Exemple, tu sais, je sais pas sont où les medikits pis ces affaires-là, fait que j'explore un peu. Yo, je suis pogné dans une fucking chaise! Ah ouais, c'est pas les Sims, Callis, man, c'est Mafia. Alright, devrait avoir des dudes là. Mais c'est ça, le layout, yeah. Le layout de cette mission là, je suis pas vraiment familier, I guess. Yo, what's up, guys? Yeah, 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 yeah. Don't mind me! Don't mind me! Yeah, 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 yeah. Oh man, je suis à des FPS! Oh yes! Yo, what's up, toi? Ah, il vise à la tête, le command, bon, enfin. Ah, lui, il a un gun, right? Ah, fuck off. Tain, sa tête. Alright, je suis pas si pire, man. Il faut que vous m'accordez ça au moins, guys. Non, je suis à chier en crisse à des FPS. I know I'm shit, mais c'est ça qui est drôle, I guess. Je veux dire, j'ai jamais été bon à des fucking FPS. J'ai quand même 100 de vie encore. C'est fucking impressive. Y'a-tu des midi-box ici au cas où si jamais j'ai trop mal dans le let's play, dans cet épisode-là, puis que je dois revenir? Je peux aller par là. Ah. Ou si je m'en souviens vraiment plus où aller, je peux pas aller par là. Tu sais, je veux dire, je peux aller par en arrière là, mais je peux aller aussi au fond là-bas. Fait que, where the fuck do I need to go? M'en aller par là, sure, I guess. Yo, what's up, guys? I come in peace. Je veux dire, moi, je veux aucun trouble. En fait, pourquoi?
Qu'est-ce qu'il y a, man? Je veux dire, pourquoi il y a des personnes ici dans une vieille prison, man? Êtes-vous des hobos? Qu'est-ce qui se passe? Yo, what's up, man? I come in peace. Yeah, ok. Ouais, c'est ça, ouvre la porte. Yeah, c'est sûr, il y a quelqu'un là, man. Je peux pas croire qu'il y a personne ici. Oh, ok, il m'a vu, lol. Je pense. Ah, il m'a vu, man. Ok, show yourself, alright, t'es en face. Lol, fuck you. Y a-t-il un autre dude? Ah, Non, fuck off avec ton shotgun. L'affaire, c'est ça. Comme je vous ai dit, à cause que j'ai un sniper, si je switch de gun, il drop automatiquement. Fait que, c'est genre... Il va toujours avoir des guns qui vont dropper dans cette mission-là à cause que j'ai trop de shit dans mon inventaire. Ok, je peux pas aller par là. Alright, d'abord. Je peux aller par là. Yeah. Comme je vous dis, holy fuck, je ne sais plus où aller. Y a-tu quelqu'un qui a des clés? Je m'en souviens plus, mais en tout cas, la porte ici est barrée, fait que je peux rien faire. Ok, bon, ben, on va retourner sur mon chemin en arrière, I guess. Où Salieri, où c'est que tu m'as foutu, man? Cette place-là, c'est une fucking crack house de merde. Bro, ok, donc je pensais qu'il était en bobette au début. Mais on allait dire, c'est mon spirit animal, tabarnak. Parce que, comme si vous ne le saviez pas, je record en bobette présentement. A fucking course. Sur 500 vidéos que j'ai faites sur Histoire Ultra, là. J'en ai fait 502 en bobette. Ouais. Ok, par là, il y a absolument rien. Non. Fait... Oh, really? Surprise, motherfucker. Yeah, fuck off. Ok, c'est sûr qu'il y a d'autres dudes, man. C'est sûr qu'il y a d'autres dudes. J'entends tout le monde crier, man. Peekaboo! Oh, fuck. Peekaboo! Ouais, c'est ça. Y a-tu d'autres dudes? J'entends un chat. Oui? Yes? Who that? New phone, who that? Wow, bro, man! Oh, non! Ok, c'est celui qui compte. Attends, ferme ta gueule, man. C'est celui qui compte le plus qui va gagner. I'm waiting. Moi j'attends ça, hein. I'm dead fucking serious. Éventuellement, les ennemis sont trop calmes, ils vont venir. Any fucking time now. I'm scared as shit, man. Alright, je suis écœuré. Load le 1911. Là, je suis écœuré comme le calice. Hey, yo, what's up, man? Yeah. Ok, là, j'ai le petit gun pew-pew-papa. Fait que redonne-moi ça. Thanks. Oh, yes, plus de balles. Yeah, boy. Reload that shit up, yo. Y'a-tu quelque chose ici? Y'a l'exit, mais... Non, c'est ça, je me disais, tu peux pas sortir par là. C'est ça que je me disais, man. Yo, what's up, man? Is there anybody in the prison today? You're fucking shot quelque part, je sais pas, il est où, lol. Wow, j'ai entendu une porte! C'est quoi ton problème? Bro, y'a quelqu'un qui me tire! Y'a quelqu'un qui me tire! Bro! Yeah! Non! Oh my god! C'est un clusterfuck! Ok, je l'ai manqué! Alright, they nuts! Get fucked, man! Ouais, c'est ça! Get this! And get this too! Ouais, c'est ça! Fuck you! man! Je joue à des jeux de gun, là, vous le saviez pas, là, mais c'est mon plaisir personnel. C'est genre mon, alright. Y a-tu quelque chose ici? Non, y a absolument rien. Ok, d'abord, bon, ben, guys. Y a-tu quelqu'un qui a adopté un chat ici? Parce que, y a une boîte de médicaments ici. Nice. Fait que si jamais j'en ai besoin... J'ai au moins une boîte de médicaments. Parfait. Tu sais quoi? Avec mon shotgun, là, je me sens crissement pas safe. Y'a-tu... Non. Y'a-tu qu'il y a quelque chose, ça? Pantoute. Y'a rien ici. Bro, je suis en train de stresser pour ma vie, puis si je meurs dans le jeu, je meurs même pas dans la vraie vie. Ici? LOL. Fuck you.
LOL. Ah, c'est ça, venez, 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 venez. Ah, je vous attends, man. Yeah, 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 sure. Bro. Ok, tu sais quoi? Pogne le petit gun pew-pew, man. Oh my god! T'es. By the power of bullshit, I got everything under control. y'en avait pas deux? Me semble que oui. Shit. J'suis fucked. I'm gonna take my pew-pew gun. Y'a-tu quelqu'un ici? Sure, fuck you, man. Cette mission-là, man, y'a des dudes à chaque coin. À chaque coin, calice. Je sais, for a fact, faut que j'aille en haut, mais je suis juste curieux. C'est genre juste l'exploration, là. Parce que sincèrement, cette mission-là, c'est genre une émission que je ne me souviens le moins, là. Fait que, tu sais, c'est comme quasiment à la fin, mais comme je vous dis, elle est tellement inutile que c'est pas une mission que t'es comme... Ah, oh, sure, I guess. C'est... Peux-tu... Pouvez-vous fermer vos gueules, man? Pouvez-vous fucking... Tu sais que tu sors, toi? Tu sais que... Oh my god! Fuck off! Si, j'ai eu la... Ok, moi je m'en vais, mais il est BRB! Oh man! Alright, give me the good heals. Alright, 50 c'est correct. Let's go. Maintenant il me reste juste deux cylindres dans mon shit, man. On va prendre ça, man. Sure, tiens. Y'a-tu... Oh, y'a quelqu'un là, je l'ai vu! 1911, deux shots. I got two fucking shots. Y'es-tu vivant? Je veux dire... Il est vivant, right? Ouais, 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 il est vivant, man. Mais ça va être mieux avec un petit gun. Ou le sniper. Holy shit, man, j'ai quasiment plus de balles. LOL. Ouais, c'est ça, load. Load mon tabarnak. Y'a-tu quelqu'un que... Ouais, sure, donne-moi ça, man. Oh my god! Oh, ok, 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 on reload, parfait. Is it the reloading game? Hey, fuck you, man. Mange la marde. Est-ce que ça gagne il suce des queues? Ouais, reload, là. Bon, on m'a apporté Pew Pew Gun. Mais là, sincèrement, je prends mon temps parce que je sais aussi for a fact que si tu meurs live là, il faut tout que tu recommences la Christine mission. No thanks. Je sais, il y a bientôt un checkpoint. Qu'est-ce qui se passe, esti? Qu'est-ce qui se passe? Bro, man! Relax, bro! Ok, j'entends des pigeons. Thanks. Thanks. Oh! Ok, thanks very much. Nice, nice gun. Ok, good. Alright, reload the gun. T'es pas encore mort, toi? Fuck off. That's the face of somebody who is in a good mood today. y'a-tu quelqu'un en haut là? Of course, parce qu'il y a tout le temps des personnes à chaque coin de mur. Non, looks like there's nobody over here. Hey, en haut, y'a-tu quelqu'un? Non, that's it, je pense. Y'a-tu quelqu'un? Y'a plus personne. Alright, c'est le dernier dude, ok. Sure. The game was safe. Parfait. C'est ça que je voulais voir. Maintenant, on peut niaiser. Holy shit. Ça, c'est une couple d'affaires que je peux vous dire. Premièrement... on va faire la mission, ok? Mais il y a un dude dans le bateau, là. Qui essaie de ranger son bateau. Le politicien est là-bas, genre en train de faire son speech. Mais comme je vous dis, vu que le jeu, il vient de save, on va niaiser, ok? Il est où? Il est là. LOL. LOL. Puis là, eux autres, ils commencent à paniquer. Tu sais quoi, man? On va essayer de le tuer. Non, j'ai pas réussi. Oh well. Oh non, il a escape parce que j'ai trop niaisé. L'autre affaire aussi que j'aimais bien faire quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi, mais sauter de là. Apparemment, je survis. Mais pas vraiment. Why? Anyway, on fait la mission now for realsies. J'ai besoin de mon sniper. Puis le politicien, ben, il est juste là.
Puis aussi, en ce moment, je ne touche pas à la souris. C'est le, mon gars, il bouge tout seul. Fait que ça fait chier en esti. Oh, bro, t'es sérieux, là? Ah ouais, il meurt. Bro! J'ai fucking touché, man. Bro, man! Oh, t'es sérieux? Oh well, game over. Ok, moi je me sacre en bas, fuck off. Bro, what? Ah, ok, ça c'est weird. Alright, third tide up charm. Non, jette pas le Chris Sniper, man, t'es-tu cave? Ok, là il faut qu'on lui pogne sa tête. Chris, j'ai pogné la roue en arrière. Oh dude, I'm good at this game. I'm fucking good at this game. Ciao, bye, man. Oh my god! Bro, peux-tu crever already, man? Bon, enfin, Chris! Bro, une shot de sniper, t'es pas encore mort, fuck off! Si tu fais juste accroupir! Eux autres, aussi capotent, là, ils sont comme, oh shit, qu'est-ce qui se passe? Oh fuck! Ah, les caves qui sont là-bas, là. Alright! Maintenant, well, je m'en calais si je drop mes guns parce que je veux dire, techniquement, la mission est finie. Mais il y a une autre affaire qu'il faut que je fasse. Puis ça, c'est assez drôle. Là, il faut que je sorte de cette prison de merde-là. La seule sortie, well, I guess que c'est par la porte qui est tout en bas. Ici. Fait que là, pour pas me faire chier avec des chiens parce qu'eux autres, ils m'attaquent, là. Ah, c'est ça. Attaquez-moi pas, là. Restez tous dans vos coins, là. Alright. Oh, bro, dégage. Damn, Pita, man. Pita, Pita va être fru contre moi. Damn. Ok. Oh, dude, un autre fucking chien. Fucking mort, toi. Oh, dude. 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 Droppez toutes vos guns. C'est juste ça, mon truc que j'ai à vous dire. Genre, j'ai un couteau avec moi? Lol, non. J'ai un code 911 avec moi? Lol, non. J'ai ce marde-là que j'ai plus de gun? Non, lol, non. Fuck that, j'ai plus besoin de ça. Bro, j'ai un sniper? Lol, non. Fait que là, en ce moment, mes mains sont empty. Je sors de la bâtisse. Oh, fuck! Damn! Yo, what's up, guys? Sorry, sir, but there's been a crime committed here, and we have to check you out. It's only routine. Thanks. Everything's in order. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, c'est exactement pour ça que vous devez vider vos guns quand que vous avez fini avec cette mission-là. Vous avez une couple de scénarios que vous pouvez faire. Vous pouvez legit tuer le dude au début de la mission qui était là-bas. Vous pouvez le tuer, comme ça la police va jamais être là. Puis par contre, si vous le tuez puis que vous laissez son corps là, la police va quand même être fru contre vous. Vous pouvez dropper le corps dedans les sewers, justement pour pas que le corps soit retrouvé. Ou sinon, vous faites de la manière comme que j'ai fait, vous droppez vos guns après que la mission soit finie. Comme ça, si jamais vous avez des guns puis que vous sortez de la place, justement, ils me check pour voir si j'ai pas des guns pis whatever. Ben si j'avais eu des guns, présentement, j'aurais eu fucking plein de police après moi. Ben là, vu qu'il y a personne après moi, it's a fucking breeze. Fait que je m'en vais à Salieri and everything is in order, man. Fait que je suis arrivé au bord de Salieri. Donc au prochain épisode, ça va être une nouvelle mission. Pis comme je vous dis, les missions, il en reste plus tant que ça dans le jeu. Donc, une mission pour chaque épisode, I guess. Fait que, moi je suis au-delà de là, on commence le prochain épisode sur une nouvelle mission, live right now. Fait que guys, c'est ça, Ushra, et encore une fois, on termine un épisode à côté de ma porte préférée, porte blanche, qui est un petit peu sale. Fait que, bonne journée, guys.